Et je suis à fond là, je suis à fond. Les enfants, c'est l'heure de l'update dans la cuisine. Vous aimez bien mes updates dans la cuisine, non? Je sens que ça vous fait marrer. Je viens vous parler de mes gouttières que je porte là. Mais écoutez, heureusement que la cire existe, hein, parce que moi sans ça, je peux pas. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des taquets sur les dents, il y a des espèces de points de je sais pas quoi, de colle ou un truc, enfin un truc pas toxique évidemment, mais pour agripper les gouttières. Et du coup, il y a un truc en relief sur la gouttière elle-même, et je trouve ça tellement irritant. Du coup, je mets de la cire sur les taquets, et là, j'en mets un peu aussi en haut, parce que ça me gêne, la bordure me gêne. En bas, j'arrive à gérer à peu près, mais en haut, la bordure me gêne. Donc, bah, c'est pas optimal, parce que si je dois passer 15 mois avec de la cire, d'après ce que disent beaucoup d'entre vous qui l'ont fait, on s'habitue, donc j'ose espérer que je vais m'habituer. J'ai moins mal à la langue aujourd'hui, parce que ça frotte sur l'intérieur, les bordures des gouttières à l'intérieur, je mets pas de cire, et là, ça frotte sur la langue. Mais j'ai pas plus d'aft, ça s'est pas propagé. En revanche, là, les taquets, mais c'est pas possible ce truc, c'est hyper proéminent, ça gêne vachement, quoi. Bref, donc voilà, j'en suis au jour, je les ai eu jeudi, donc on est au jour 5. Voilà, je venais vous tenir au courant. Je vous ferai des petits updates de temps en temps, comme ça. Donc vous voyez, ça se voit pas du tout quand je parle. Si je fais ça, on voit là que j'ai de la cire ici, mais sinon ça se voit pas. C'est un peu, évidemment on le sent, hein. On sent qu'on a un truc dans la bouche, ça, quand certaines personnes disent qu'elles les oublient carrément. Je ne vois pas comment on peut oublier un truc pareil, mais je veux bien croire qu'au bout de des mois, on s'habitue. Donc je sais. Non, franchement, il y a des gens qui m'ont dit en une semaine, j'étais complètement habituée. On verra. Enfin bon. Vive la cire, c'est tout ce que je peux dire. Oh, hello Bumble. Oh, mais c'est génial. Du backup du meilleur texturisant du monde. Je ne peux pas me coiffer sans ça, vous le savez. C'est avec les cheveux que j'ai, franchement, c'est impossible. Génial. Et what is it that? De l'huile pour les cheveux, ok. Et ça. Oh mais alors, mais parfait. Justement, la folle qui s'énerve. Je pars demain à Londres. C'est parfait, je vais pouvoir emporter le bébé. Ah, oh, c'est génial. Le truc de voyage. Attendez, c'est lui. Ah, le meilleur texturisant du monde en taille voyage. Merci Bumble. Oh, hello guys. Je vous fais vite les calendriers avant de partir, parce que je vais à Londres aujourd'hui, donc il faut que je me grouille. J'ai failli les oublier, puis je me suis dit vite, vite, vite les calendriers. Donc pendant 2 jours, il n'y en aura pas. Mais je ferai du coup 3 jours en rentrant. Alors, le 11 chez Oh My Cream. Pourquoi la lumière est bizarre comme ça? Oh mon dieu! Bon, ça va, le 5, je l'ai déjà ouvert, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Kate Burki, c'est une nouvelle marque bio aussi. Donc c'est une crème visage à la vitamine C. Bon, très bien. Non, je ne la mettrai pas dans ma trousse de toilette pour Londres. Ma valise est déjà bouclée, c'est bon. Elliptique. C'est une bougie. Oui, ça c'est les boîtes à bougies. C'est comme ça qu'ils les rangent. C'est laquelle? Le redouté. Bah ça alors, j'en ai jamais entendu parler de celle-ci. Attendez, qu'est-ce qu'elle sent? C'est une odeur un peu orientale, mais pas trop. Avec quand même une pointe de fraîcheur. Enfin, de vivacité plutôt. Mais... je ne serais incapable de dire ce que ça sent. Très intéressant. Et chez L'Oréal Paris, de quel côté ça s'ouvre? Par là. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un vernis en noir. Attendez, il faut que je le sorte d'abord. Ah, c'est génial, c'est un top coat gel. J'adore les top coats. Je suis obsédée par les top coats. J'en essaye toujours des milliards. Et celui-là, je ne le connais pas. Je suis enchantée. Très bien. Voilà. Allez, l'Eurostar m'attend. Voilà, à bientôt.